Bonjour, c'est bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui finir notre test du Spider-Man avec le numéro 4. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour découvrir ce dernier numéro test. Alors, note numéro 4. Il y a un petit papier qui nous dit qu'ils sont contraints de suspendre l'apparition de cette audition. Donc, ça nous prouve bien, encore une fois, qu'on avait affaire à un test. De toute façon, vous êtes plusieurs à ne pas savoir exactement ce que c'est un test. Donc, je vais vous faire une vidéo très bientôt pour vous expliquer tout ça. Spider-Man, premier jour. À l'université. La main gauche partie 2 et la plaque pectorale. Pas à pas, donc on va venir mettre nos doigts. Et on va venir tester les lumières. Spider-Man, couverture emblématique de Amazing Fantasy. Celui-là, je l'ai en plaque métallique. Et on la voit juste derrière moi, hop là, ici. John Romita, senior. Et c'est tout pour ce numéro. On commence par récupérer notre main. On vient mettre notre pouce qu'on vient emboîter. On vient ensuite mettre les autres doigts. Donc là, on va mettre le petit doigt. Voilà. Vraiment dommage que ça soit pas articulé quand même. Et pour la plaque, donc là le tour est en métal. Donc ça vient juste s'emboîter comme ça dedans. On va venir tester les lumières. Là, celle-là, on les avait déjà testés. On se rappelle que tout s'allume. La lumière par ici. Et la lumière à l'intérieur de la main. Mais cette fois-ci, du coup, on peut allumer les yeux. Donc soit en rouge, soit en bleu. Et tout, j'ai trouvé une carte que je peux mettre pour allumer le deuxième. Voilà. Et voilà pour le test de ce Spider-Man. Voilà, ça y est pour ces deux numéros. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On pense également à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!